Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital est top et là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Ils top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez. Ah, j'ai oublié l'estomac, un petit bout de sparadrap. À l'hôpital, Lille Top. Non mais, tu sais plus conduire, Ted. Ça n'a rien à voir avec ma conduite, Fred. C'est l'hippopotame derrière qui est vraiment trop lourde. Bon, Fred, il faut la sortir. Et heureusement qu'elle est sur le chariot, peut-être autrement on pourrait pas la porter. Ah oui, t'as raison. Oh là là, elle est trop lourde. Attention. Oula, un hippo à roulette, grosse dindon à tribord. Oh. Bienvenue à l'hôpital Lille Top, madame hippopotame. Vous voyez, tout ce que nous devons faire avec cette fabuleuse machine à gâteau, c'est 1. Mettre les ingrédients. 2. Tirer la poignée. Et 3. C'est du gâteau. Vous ne pouvez pas le manger maintenant. Oh. Il faut attendre un peu. Ce sera votre gâteau d'anniversaire. Eh bien, Lily, tu es un beau brin de fille. Ta maman nous a dit que tu es fatiguée et que tu manques de souffle. Tu manges beaucoup, Lily? Elle mange comme tout le monde. Et tu ne manges jamais rien entre les repas, hein, Lily? Non. Eh bien, tu es très lourde pour ta taille et ton âge. Cela n'est pas bon pour ton cœur. Faisons une analyse de sang. C'est quoi cet éléphant rose au plafond? Oui. On dirait que tout est normal. Oui, tout est on ne peut plus normal. Il y a bien quelque chose qui cloche. Bataille. T'as triché? Mais non. Et si on allait voir le gâteau? Ouais, d'accord. T'as vu ce que j'ai vu, Fred? Trois lapins qui font les malins? Non, 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 ce gâteau est prévu pour votre anniversaire. Allez, on retourne au lit. Il faut dormir. Oui, il est tard. Tout va bien, Lily? Je suis juste allée faire un petit pipi. Bien, allez, maintenant, tout le monde au lit. Bonne nuit. Oh! Le gâteau d'anniversaire est parti. Quelqu'un l'a volé cette nuit. Ben j'espère que vous ne m'accusez pas. Ce n'est pas moi. Et moi non plus. Docteur Atticus, avez-vous mangé le gâteau d'anniversaire au laboratoire? Gâteau d'anniversaire, oui, j'en veux bien une part. Claire et Arthur, vous allez en refaire un autre et nous l'enfermerons à clé dans le placard où il sera en sécurité. Nous mettrons le reste de la nourriture pour la fête dans le réfrigérateur de la salle de repos.
Bonjour, Lily. Comment vas-tu? Très bien. Aujourd'hui, nous allons essayer une nouvelle thérapie. Ça va être génial, non? Pas vraiment. Sois gentille, Lily. Nous allons t'entourer de bandages et te faire prendre un bain de boue. Je déteste la boue. Ça pue. Lily! Oups. Est-ce que je pourrais encore attraper ma laitue? J'ai parfois besoin de grignoter quand je suis au travail. Nous mettrons votre laitue ici, docteur Atticus, bien à l'avant, comme ça, ça ira. Parfait. Lily, tu n'as pas besoin d'avoir peur, Lily. Nous essaierons une autre thérapie. Bataille. T'as triché. Non, tu vas pas recommencer. Où vous allez? Je vais faire pipi. J'ai besoin de faire pipi aussi. J'en peux plus. Bon, vite fait alors, hein. C'est pas juste. Oh. Oh. C'est fermé à clé. J'aimerais bien un sandwich à la laitue. Oh zut! Qu'est-ce qu'il y a, docteur Atticus? Quelqu'un a volé tous les biscuits et chocolats pour la fête. C'est terrible! Comment va-t-on pouvoir fêter l'anniversaire de demain? Oh! Nous allons encore acheter des chips et du chocolat, mais cette fois au dernier moment. Ça mettra un terme à tout ça. Vous allez emmener Lily au bain, s'il vous plaît, les jumeaux. Elle a transpiré toute la nuit. On va le faire. Ben, on est justement là pour ça. Je vais changer les draps. Ils doivent être un peu humides. Non, non. Tu te sentiras bien mieux dans des draps propres, Lily. Oh. Oh. Ben alors, j'ai même pas le droit de prendre des trucs dans le frigo quand j'ai faim. Non, tu n'aurais pas dû faire ça. Est-ce que tu crois que tous ces chocolats sont vraiment bons pour ton alimentation, hein, Lily? Il y a quelque chose qui te tracasse. C'est pour ça que tu as envie de manger tout le temps? Personne ne veut jouer avec moi. Ils sont tous partis quand je suis arrivée et même ils m'ont appelée grosse dondon. Désolée, on ne voulait pas dire ça. Moi, je veux bien jouer avec toi. Moi aussi. Je ne vous crois pas. Ceux qui veulent jouer avec Lily, lève la main. Moi! 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 Ce pâté en croûte végétale est délicieux. Oui, nous l'avons fait tout particulièrement pour Lily. Il a beaucoup de vitamines, mais il ne fait pas grossir. Très scientifique. Peut-être pourriez-vous me donner la recette. Je pourrais la faire à la maison. Qui veut du gâteau? Moi d'abord. Et toi, Lily? Tu sais, Lily, tu peux toujours manger des aliments sucrés, mais pas en trop grande quantité. Peut-être un tout petit morceau. Au revoir, Lily. Ça me fait plaisir que tu ailles mieux. Continue ton régime et passe me voir dans une semaine. On vous ramène alors? Si ça ne vous dérange pas, on pourrait rentrer à la maison à pied, un moment. Non. Mais ça ne nous dérange pas du tout. J'ai l'impression que vous avez un peu grossi tous les deux. Vous devriez faire du sport. Alors là, vous êtes dur. Ça te dirait une partie de foot? Ok.